Alors, à quel rang on finit? Vous avez 5 minutes pour voter. Je vous remontre les runes de la défense. Pour faire un petit avis. Donc on a le Triton en Swift Wheel. Normalement, il est anti-Konamiya. Avec dégâts sur eau. On a la Kiki qui est là pour setup le breakdef. Le Psamat qui est là pour CC. Et le Kinky qui est là pour jouer en dernier et mettre une petite nuke. Voilà. On va voir si ça marche ou pas. Mais ça peut être marrant. Miskill. Vas-y, bah c'est parti. La Kiki collée au Kinky. Bah, elle joue avant, ouais, pour setup le breakdef. Je viens d'atteindre le top 22. Première fois que je vois le G3. Je sens que je vais tellement redescendre. Bah ouais. C'est le problème de monter un peu trop tôt. C'est que quand tu montes aussitôt, t'apparais dans les listes des mecs. Ah non, le proc, je vais perdre. À l'aide. Première offense, C2 égale défaite. Ça m'est bien. Il y a quand même des news qui donnent le smile. Je vais littéralement la perdre. Ah bah oui, continue le proc. Oh, tu m'as pété les couilles, bro. Est-ce qu'il est passé en dessous du seuil avec ça? Mais mec, je crois qu'il est passé en dessous du seuil. Oh lolo, la chatte. Ok, proc pas trop. Meurs. Ok, easy win. J'ai pas envie de me jinx. Ok, c'est fine. Easy win. Franchement, j'ai été inquiété à aucun moment. J'ai enfin une love bomber. Ah ouais, t'as fait quoi? T'as fait love de Sechizo ou love de. Ouais, moi celle-là je l'ai appris chez Endless, mais il y en avait sûrement d'autres qui l'a joué avant. C'est chiant ça. Enfin, c'est RNG, c'est à chier. Oh, on peut sortir ça, mais avec Léa. Pour le plaisir de jouer Léa. Ah mais non, ça marche pas, il faut le blast speed. Ok, non, never mind. On va rester comme ça. Vu que nous, on n'a pas de truffe pour pouvoir faire Adriana truffe Léa. On va se contenter de ça. C'est pas grave. À la même que moi? Ok. Ah, je pense que la version avec Ezio, elle est encore meilleure, mais bon. Faut avoir Ezio, quoi. On va tuer. Chez? Pourquoi chez? Je comprends pas. Bon, là, comme c'est le début du rush, je pense qu'on va juste clear les listes. Oh! Une offense. Un ou bah, moi, je te conseille cette défense-là, tu vois. Si t'as Woon ça, je te conseille vraiment de bien l'entourer, quoi. Ça peut être un vrai plus. Matiana est phase de fou, j'en profite pour pas éparpiller des runes. Ok. Toxifronx est toujours là. Toxifronx n'est jamais parti malheureusement. Oh, Federica plus l'autre truc, ok. Bon, l'avantage c'est comme on a John, on va pouvoir reset un des deux. Et du coup, on est obligé de reset Federica. C'est pas mal en vrai, Federica plus ça. Hein. Ouais, y a un truc, y a un truc. Vas-y, on va faire ça. Ça, on est. Oh, dommage. Bon, en espérant tuer. Évidemment, on tue pas. Je vais le regretter. Je vais le regretter. Breakdef. Ok, ça va, il est trop rapide pour son propre bien. Je pense qu'on tue là. Nice. Oh. Ah ouais. Bon, l'avantage c'est que normalement il n'y a rien qui est en sweep, donc on peut bomber. En espérant juste qu'on se fasse pas trop résiste.
On va reset la Vanesse. Et on va prier très très fort pour que les bombes se posent. Bon, il y a juste ce truc là qui devrait survivre. Ah bah non. Même pas. Ça? Comment ça m'étonne vraiment pas que Vix y soit en transe devant cette musique? Je trouve elle te correspond trop bien à cette musique. C'est vraiment une musique de forgeron, je trouve. Il me fait quoi lui? Truc comme ça? Tu trouves pas? Après, si tu trouves pas, my bad, hein, je me suis trompé. Mais il me semblait. Ah. Attends, mais elle est Oméga Tanky, sa Juno. Oh, je vais perdre. Le casse-burn. Comment tu passes ça? Bon, j'ai pas les couilles, je vais comme ça. Je suis un gros rageux. Ça commence bien pour ma prédit. Ah, G2 carrément. Donc toi, avec cette dev, t'arrives à faire G3. Et moi, j'arrive pas à faire G3, c'est ça? Ah ouais. T'es cool, toi. J'espère vraiment qu'il va t'arriver des bricoles, hein. T'es beaucoup trop malfaisante ce soir. Tu prends ta force dans la haine? Ok. J'entends. Souffrons que c'est un site, je le savais. C'était évident. Psamatou, Praline, Dorothy, tu en penses quoi? Je vois pas trop à quoi sert le Praline dans ta compo, ni la Dorothy. Mais Psamatou, ça, c'est un début. C'est un début. Hop. On tue loup ça. C'est gagné. Samat, Tianlang, Camille, Amdouat. Ouais, c'est pas mal. On reset quoi? Ça? Ok, ça fait beaucoup de résistance, mais c'est pas grave, c'est encore gagnable. Si on tue ces deux, les deux de droite. Oh, mais on a même tué le Abelio, il était pas tanky. Nice. Cherche un breakdef AOE fiable, mais je vois pas trop. T'as pas genre des Savannah, des Belenus, des. Bah, t'es pas forcément obligé d'avoir un setup breakdef hein, dans ta défense. Lueur. Ah ouais. Oh la big lueur diff là. Ah, c'était Truche, pas Praline. D'accord. Après c'est quand même pas incroyable je trouve mais Ah. On va essayer de tuer la Vanessa. Voilà, ça y proc mais au moins ça revive pas la Manon, elle aurait pu être relou.
Gisèle à Breakdef. Gisèle, c'est un bon setup Breakdef, ouais. N'hésitez pas à jouer Gisèle, hein, si vous avez fait le HOH. Là, je suis trop déçu tout à l'heure. J'ai essayé de bait des viewers avec l'histoire du leader skill défense et res qui n'était évidemment pas activé en RTA. Et personne n'a répondu à mon bait. Ça me casse les couilles. Y a pas une seule personne qui a relevé. J'ai trop la haine. Vous êtes tous G3, c'est trop chiant. On a quand même reset. On va tuer Ragdoll, j'imagine. C'est quoi l'histoire? Non, c'est un match RTA. J'ai essayé de bait des gens, mais non. Tout le monde était beaucoup trop concentré, malheureusement. Attends, mais il est chiant, lui. Ouais, bref. Ok, c'est fine. Je pense que j'aurai bientôt Gisèle perso. Bah, je te le souhaite, hein. Je te le souhaite. Faut bien que la roue tourne commence à tourner, hein. Alors, est-ce qu'on pose nos bombes? Ça, il reste qu'une seule Camille en vie. Non? Ok, bah il restera quand même qu'une seule Camille en vie. Yo, je regarde ton stream tout seul au restaurant. C'est pas une compétition. On peut ou... T'as capté les refs? Ah, je suis trop chaud. J'espère que tu vas bien, hein, Hippote. Bravo pour ta promotion sur le live de Tito, en tout cas. Fait plaisir de voir que le talent est récompensé. T'as juste lu le message et je savais que c'était et ça me casse bien les couilles. Oui. De toute façon, à chacun de ces messages, tu reconnais, hein. Il discerne toutes tes variations de chakra. Ah, c'est abusé. Ah, mais pourquoi y a un florilège de défense qui n'existe pas là? On reset quoi ça? La rep encore avec un dé, pas mal. Crois que j'ai une slot 3 qu'on a besoin. Oh, ouais. La fameuse slot 3. Toujours pas. Ça, je crois que je l'ai. Ah non, j'ai pas fini. Celle-là. Très bien. Là, je suis en train d'économiser toutes mes griffes là qu'on farm en raid. Comme ça, dès que la mise à jour passe, je les utilise pour faire des gemmes Vio. Ah, d'accord. Ça me connaît trop bien ici. Je peux plus me cacher. Pour fêter ça, mets-moi Modo avec un dé. J'ai 28 griffes. Ok. Ok. Tu promets de pas me faire ban?
Tu promets, hein? Putain, mais on n'arrive pas à monter. Bro, on fait que perdre. On s'est fait YOLO swagger. YOLO swagit. Oh, ça met bien. Je jure sur tes anciens, ok? La tête de la mort de Tito, ok. Ah non, mais putain, c'est vrai que je dois copier-coller ton pseudo parce que t'es une fraude. T'es la fraude. C'est vrai. C'est une sale histoire, hein, son pseudo, les gars. Les apparences ne sont pas ce qu'elles sont. Merde. On va aller reset ça. Mais non, non seulement un revenge, et en plus elle prend pas l'anti-heal. Je vais hurlax. Ça c'est mort. Ça c'est pas. C'est bientôt mort. Je crois qu'on a récupéré le S2 déjà, vu qu'on a proc. Ouais. Merde, j'ai pas fait gaffe qu'il avait récupéré son tour. Bon, ça c'est mort. On va tuer ça. Gardez les détails de mon solo pour vous, ça intéresse personne. Ok. Rejoignent leur bord. Chris a eu Azima et Valantis. Ouais, Valantis, il l'a eu depuis quelques semaines. Il le joue là en Death Arena. Son Valantis en Vio super rapide, quoi. Et Azima, je crois qu'il l'a depuis longtemps par contre, hein. Parce que Azima, ça faisait. Il le sortait souvent en défense arène. En début de rush. Histoire de chill. Ah oh merde, la résister est relou. Ah putain, c'est vrai que là, lui, pour le coup, il est en Tokrit, donc contre les Camis, ça va être trop casse-couille. Il va les cleanse à chaque tour. Ça t'avait manqué hein, de faire des commandes. Oh merde. Oupsi. Les dégâts? Les dégâts du perso équilibré? 44 300? Oui. Oui. C'est fine en vrai. Sans avoir besoin de setup buff attaque. En vrai, c'est bien. Oh attends, du coup on peut rejouer ça? Attends mais oh non, il joue avant ma base. Oh putain, c'est tellement horrible. Ok, ça va. Heureusement qu'on a eu un bon proc. Ouais, je peux vraiment pas le jouer cette compo. Là on tue ça. Karnal, Minato, Valantis, Annabelle. Ça donne envie de taper? Oui. Annabelle en Death Arena, Minato, c'est pas fou non plus. Hein. Oh là 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 là. La gueule de défense.
Yo, Chloe Zung. Good luck as well. Résistance. Oui. Bah, super ça. C'est vraiment super super marrant ça. Ah, c'est perdu hein. Increase cool time. Ah bon. Après, elle est pas très tanky celle-là. Alors peut-être. Alors peut-être. Bah je pense qu'on la tue là. Elle est pas giga tanky la Camille de droite. Celle-là, elle a l'air vraiment tanky. Vraiment très 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 casse-couille. On va sustain un peu. Ok. Crit pas. La compte toi. Enfin, avant ma buff attaque pour la prochaine, le prochain tour. Alors, à quel point elle est tanky? Elle a tellement d'HP, gros, c'est une dinguerie. Tu me casses les couilles avec tes HP. Ton John ce soir il pose rien. Ouais bah je vois. Hein. Il loupe tout ce con. Est tellement tanky gros sa Camille. Nice, on last hit? Allez s'il te plaît, last hit. Non, tu vas pas recrit. Ok. 21k, elle est pas morte, elle avait genre un tir de CHP. Quoi? Tellement tanky. Est-ce qu'il m'a outspeed? Non mais je peux pas y aller avec Zubsamat. Zubsamat il est beaucoup trop gaze. Vas-y je le fais. Oh il m'a outspeed. Oh c'est pas grave, c'est pas grave, t'inquiète. Non il m'a outspeed avec tous ses... Ok, il derp, let's go. Ok, j'ai une tech. J'ai une tech. Je vous jure que cette Julie peut le faire. Non! Non! Mais comment ça tous ces mobs jouent avant? Mais what? M'a cassé les couilles. Pa-pa-ra-pa-pa-ra. Gisèle Nem? Non, parce qu'elle est en wheel. D'ailleurs, elle a résiste, donc j'ai encore perdu. Bien joué à moi. Gisèle égale bon mob? Non. Mais gros, par contre, je comprends pas comment ça. Sa Gisèle peut être aussi rapide, hein. C'est une dinguerie. Hein. Oh! Bah, c'est perdu. C'est perdu ou pas l'équipe? On va le faire, on va le faire. Tu m'as peut-être les couilles. C'est grave d'être chiant comme ça. Ah, les perma-émus, gros, c'est broken, cette merde, elle fait comme stun! Mais what? Mais lâche-moi! C'est trop grave! Arrête de me stun! Arrête de me perma-stun, t'es trop chiant, arrête! Perso de connard! Perso de psychopathe, hein. Oh, y a que Gisèle tient langue partout. Laissez-moi tranquille. C'est qui ça? Blue? On reset quoi ça? Tu.
Ça, c'est mort. Et ça aussi. Je possède aussi la Tianlong Giselstrat. Oh, c'est terrifiant. Yo Abdel, comment tu vas? Ça va? Nice! Nice! Me dis pas qu'il va survivre à 1 HP et proc? Non, ça va. J'ai une fameuse slot 3 avec un quadroll à 30% d'autocrit, oui c'est ça, qui a besoin d'être meulé. Toujours pas. Battle. Oh non. Je me suis fait attaquer par un allié. Enfin c'est plus vraiment... Non, Zakmes. Oh lui j'ai tout perdu. Hein. J'ai perdu contre lui, derrière il me tape, il me bat. Non, c'est trop. Ils me pètent les couilles, ils ont tous des Gisèles. Oh. C'est broken, Gisèle. En pleine période de récupération post-grippale. Et toi? Moi, ça va. Moi, en vrai, ça va. À moins que Ghost m'autorise à m'exprimer sur le conflit. Non, vas-y, Hippoat, garde ça pour une autre fois. Mais... Ouais, pour une autre fois. Pour une autre fois. Faut pas tout déballer dès le premier soir quand même. Ok, donc là le alpha c'est bien assez lent, c'est relou parce qu'il va repasser au-dessus du palier. Puisqu'on se fait solo. C'est ça notre vie. Que là, est-ce qu'on l'explose pas? Ah, dommage. On va faire ça. Ok, nice. Yuzuko. Tu es content si ton prochain Nat 5 LD c'est Gisèle? Bien sûr, je suis trop content. Trop fort, Gisèle. Non! Mais oh, vas-y. Ok, c'est bon, c'est bon. Nice. Il a pas strip. C'est vrai que le fait que mon Psamage joue avant ma Bastet, c'est catastrophique contre les Amdouat. C'est catastrophique puisque la Bastet est pas en wheel. Normalement, Amdouat cut pas sur le premier mob après, après Bernard, mais bon. C'est l'histoire. Toi, tu me terrifies, gros. Vas-y, je prends ma revanche sur le chien, sur le Samoyed. Trop laine contre lui. Mais pourquoi il le fait à chaque fois? Mais. Putain de merde! Mais j'ai la... Oh, résistance. Oh, j'ai la haine. Oh, je vis dans un monde de haine. Oh. Oh. Arrête. Arrête! Mais je vais la perdre! S'il me tue ça, j'ai perdu. Je peux plus gérer, lui.
micro, ça me pète les couilles. Arrête. Oui, évidemment, elle a pas été reset en plus de ça. Oh, vas-y, c'est trop. Je l'aime. Bah, c'est fini, là. Il a gagné. C'est broken, sa merde. Ah, moi, comment c'est broken, cette merde. Bah oui, oui, c'est broken. Bah oui. Non, je confirme, c'est broken. Ta merde est broken. Oh, vas-y, ça me pète les couilles, quoi. Sa compo pue la merde, c'est juste que des mobs broken. Genre, y a pas de contest hot speed, y a rien. Juste les trois mobs sont broken, quoi. Les trois mobs peuvent retourner la game en 2 secondes. Dans un monde de désespoir rempli de Gisèle, c'est ça. Comme ça? Moi j'ai fait me faire one shot là. Yamash contrôle. Non, t'étais plus en train de contrôler, enfoiré. T'es vraiment une raclure de merde. T'es vraiment une. Pète les couilles, gros. Je t'ai remis le modo pendant 2 secondes et tu casses déjà les couilles. Oh, le retour de Nob. C'est chaud, non, d'y aller comme ça. Comme ça, du coup? Alors, est-ce qu'il arrive à strip le Lucien? Non, excellent. Logiquement, c'est gagné. Lui, explose-le, farme-le. Bah, il est pas évident à taper, je trouve. Hein. Non, mais Zach Mess, c'est trop. Zach Mess, c'est mon arc némésis en fait. Sa Gisèle me casse trop les couilles. Sa Gisèle à 113, elle despertonne tout le monde. Enfin, c'est un enfer ce mob. Trop trop chiant à gérer. Ah là, je devrais pas y aller avec cette compo. J'ai pas de build sur mes mobs. C'est risqué contre Amdouat. Ça peut vraiment me foutre dans la merde. Ok. On va quand même reset, je pense. Ouais, bon, j'aurais dû aller reset la Vanessa, c'est my bad. On va laisser les autres prendre leur tour, mourir de dots. C'est bon là. Le pire c'est que je sais même pas comment il fait pour. Le problème c'est que là on va mettre du temps avant de récupérer notre sort 3. Ok. On n'a pas perdu trop de temps entre guillemets. C'est quand même une dev qui est relou à passer, je trouve. Oh.
Vas-y, on va faire ça. On doit aller reset ça, non? Ça, on rejoue avant la savana, normalement. PTDR, savana est morte, on n'en parle plus. Ah, on va faire ça. Ça, faudra juste taper un petit coup avant, histoire de trigger le passif, mais pas tout de suite. On va pouvoir rejouer avant avec Triton. Hop, parfait. Double Manon Camille. Ouais. C'est un peu RNG. J'ai pas envie de taper ça. Oh là là, la gueule de défense. Je sais pas si on a speed. Je pense pas qu'on a speed. C'est le problème de pas avoir un set rapide sur mes mobs. Ouais, tellement haut lui. Bah tu m'étonnes, en même temps sa défense elle est intapable quoi. T'es obligé d'y aller avec ça quoi. Y a le chef STBZ, trop bien ça. Elle vient d'où déjà cette ref? C'est monde à l'envers, non? Ouais, monde à l'envers. Elle vient de partout en soi, tout le monde galère sur son nom, pas faux. Bon, il en est où notre combat là? Ok, on sac le destroy. Ah, elle est trop chiante à taper sa def, j'ai juré. Hein. Oh, elle est insupportable sa def. Parce que même en bruiser comme ça prend une plombe. Hein. T'as pas envie de taper ça en rush. Hein. Là, je fais juste parce que il reste 20 minutes entre guillemets. Mais genre dans les 10 dernières minutes, je peux pas taper ça, ça prend trop de temps. Bon, les prochains S2 de Suki, il y a une compo qui dégage. Si tant est qu'il joue. On l'a là, non? Ouais. Oh, gros, la Vanessa est toujours pas morte. Il est infini ce combat. C'est trop chiant. Ok, bon on a mis 2 minutes. Ah voilà! Nous aussi on a des defs réussis maintenant, y'a quoi? Oh mais lui c'est pareil, c'est inattaquable. Tu peux pas. Peut-être comme ça, mais bon c'est pas giga safe. Non, en vrai non, ça marche pas. Hein. Non, ça marche pas. Parce qu'il a 2 cleans. Ah merde, j'aurais pas dû y aller. Ah, après elle est très très lente. Ah mais ok, elle est pas runée. Bon bah ça va, on a de la chance. On devrait s'en sortir. Mais si ces deux trucs là étaient runés, je peux pas bomber en fait. Ah, je peux pas dot. Il y a 2 cleansers et je suis censé pouvoir reset qu'un seul mob à l'open. Quelle dinguerie en vrai. Tu peux te permettre de pas runer ta def quand t'as un Tianlong et t'es quand même G3 quoi. N'importe quoi.
Hippo, je crois que je vais devoir te faire taire. Là, je te sens un peu trop tonton ce soir, malheureusement. Ouais, OP. Ouais, gros. Avec ces mobs-là, t'as pas envie de taper, ça c'est clair. Est-ce qu'on a autre speed avec ça? Oh, mais non, on a dit que ça marchait pas vu que lui il joue avant. Oh, chier, on peut pas taper. Oh, encore une défense de raciste. Il nous a speed, il fait pas le 102. Très bien. Alors là, j'ai une team Tiana, Robolite, Galion, Trinité et Anwul. Qui a une idée pour l'améliorer? Bah, faut pas jouer ça en RTA. Hein. Tu veux pas faire des compos d'offense arène en RTA, ça marche pas. Bah, tu pourras pas monter très très haut quoi. À moins d'avoir des LD vraiment très très broken. Ah, donc ça c'est mort. Ça c'est mort. Ça c'est mort. Combattant qui m'a demandé un feedback sur le resto vu que c'est à Marseille. Ah ok, je comprends. Comme ça, non? En fait, j'ai juste peur que la Shayna soit en Swift. Si la Shayna est en Swift, je suis dans la sauce. Oh, elle a l'air tellement rapide. Ok, NP. On réduit élément opposé. Full skill. Let's go. On va reset ça. Ça, c'est mort. Pour une fois, il troll pas? Tu penses qu'il trollait pas Moi, je pense qu'il y a. Il y a un petit moment où t'as troll quand même. Non, mais bon, il le sait. Il le sait. C'est le principal. T'as Inferno, j'ai 3, hein. Big. Le problème, c'est qu'il nous a. Attends, mais Brix, il est pas chez nous? Pourquoi il me semble que Brix, il est chez nous? Là c'est pareil encore une fois, il y a un heal et il y a deux cleansers, c'est un peu relou. C'est un peu relou. Oh vas-y résistance. Oh. Vous me pétez des couilles avec vos LD. Bon, en vrai c'est plus les résists qui me pètent les couilles qu'autre chose. Ouais. Pas gâté, hein. Tu fais ça? T'en penses quoi de Shun? C'est sympa. Quand même reset ça, hein. Sinon, le problème, c'est qu'on va se tuer avec. Avec Alexandra plus le revive de Psamath. Big big damage. Je dois reset ça. Pas le choix. Est-ce qu'on a un bas silence? S'il te plaît, va pas sur Ember. Faut absolument cesser ça. Ok. Ah, c'est pas grave, on tue. Tu te fais un peu soulever. Ah, c'est la vie, hein. Iron. Mais en fait, ça me casse les couilles d'avoir ruiné mon triton à cette accuracy-là. Je sais pas, j'ai l'impression que je me fais full résist, c'est trop chiant.
Mais j'ai pas trop le choix en fait que d'utiliser cette offense là. J'ai l'impression que la méta des défenses a tellement changé là. Genre, il y avait pas autant de gens avant qui jouaient des Laura, des conneries comme ça, des Véronica là, il y en a tellement des Véronica. J'ai l'impression qu'avant il n'y en avait jamais. Il y a des Laura Mdouat partout, c'est abusé. Hein. Il n'y avait quasiment pas des Laura en défense arène il y a 2 semaines. Ok, nice, on met des bombes, c'est big. Comment ça, le mec, il a ses deux Camille qui meurent? Sus. Jaspide, non? Comment il peut être aussi haut lui? C'est quoi la douille? C'est qu'il a 1 million de speed? Non, ok, il y a du shield. Fait quoi? On reset ça. Résistance à. Non, c'est fine, c'est fine. S2, crit. Ok. On tue. Oh, c'est tellement. Ok, c'est tellement close. On aurait pu perdre tellement de temps là si elle prenait son tour. C'est trop chiant ça aussi. Je sais pas comment j'y vais gros contre ça. T'as, si seulement j'avais. Si seulement j'avais truffe, je m'embêterais pas avec ça, mais bon. Ça passe comme ça? Allez, s'il te plaît. Nice, il a pas fait grand chose. On va tuer ces deux-là. Est-ce que la Nora meurt? La Nora meurt pas. Shot. Ça va, elle a pas fait un sort de trop trop relou. Je tente. Ah, dommage. Oh non, non. Ok. Je tente de tuer quand même la Camille en premier. Heureusement qu'il y avait l'antile de la Bastet, ça nous a bien aidé. Elle fait que Revenge, je pétais mon crâne. S2. Non. Revenge pas, s'il te plaît. Ok, nice. Bon, on commence à monter un petit peu. Faut que je fasse attention à pas taper les guildies. Kams. Je sais pas si on peut load speed. En fait, j'ai un peu peur d'aller de 33. Parce que là, vu qu'on a nerf de 10 la speed de la Hong Yong, il y a un monde. Ouais, putain de merde. Ok. Alors, c'est la merde, mais peut-être pas tant que ça. On va juste faire ça, je dirais. Résistance, évidemment. Je vais Urlax. Ok, faut pas tuer le Pontos. Si le Pontos meurt, il ressuscite, c'est la merde. Résistance. Chut, on tue pas un pixel HP. Fait chier hein, d'avoir mis mon set Swift ailleurs. Dev de fou gros, je te jure. Que des devs de psychopathe. Genre il est aussi haut lui. C'est le mec on l'a croisé tout à l'heure lui non? Au tout début du rush. Ça me dit quelque chose de ce Lucifer Wunsa. Yo Spriam. T'étais en vacances? Non mec, je faisais la grève. J'en avais trop marre.
Elle a plus de 120, ma Clara. Ouais. Mais du coup, ça suffit pas avec la speed de Mahon Yong. Mais d'habitude, ça suffit. Bien mieux que Guts. Attends. Je vais pas te dire que je suis impressionné par ton nouveau modo Hippo. Et je pense que je dois vraiment le mod sur mon stream. Bien joué, Brotherman. En vrai, je pense que tu risques rien, hein, de mettre modo sur ton live. Hein. Tu sais que. Avoir Hippowatt en modo, c'est vraiment jouer la sécurité. Hein. Ça existe des défenses faciles à taper ou. Ouais, mais là, c'est pareil, il va mode speed. Fin du rush de mon côté. Fin du rêve. Attends, mais j'ai pas vu. Il s'est passé quoi là? Non, rien. Qu'est-ce qu'on reset ça? Enfin, on doit tuer ça. Il va rester la Camille. Ouais, j'étais en vacances, Boxer Rose. J'étais en vacances. Pour notre suite, ça, non? Ok, bon, on a loupé un perso important, mais c'est pas grave. Ok, est-ce que ça meurt de dot ça? Va reset ça. Résistance. Carré, résistance. Ah, ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Le silence est quand même passé sur la Vanessa. Let's go. J'étais en train de chercher avec quoi comme greffe. Ça, c'est vraiment le viewer premier degré, tu sais. Vraiment, il était inquiet. Il était en mode, c'est quoi, c'est. Quelle est donc cette lutte sociale? J'ai loupé une étape? Ok, on fait des petites wins par-ci par-là. Qu'est-ce que tu veux pouvoir taper hein? Oh là 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 là, non, les defs, les defs. Les defs, mes aïeux. Problème, c'est que là, sans le set super rapide sur la Yong, ça passe pas. Mais lui, il est toujours super haut. Hein. Bah, en même temps, hein. Sa def, elle a beau pas être folle à partir du moment où il a Lucifer. Hein. Forcément, il est trop fort en offense. Ah, stun encore. Chiant. Alors, Hammer, non, Hammer, on a dit on n'a pas le droit. C'est qui lui? Il connaît pas. Oh, mais gros, il n'y a que des Virunka, c'est dinguerie, hein. Mais les gens se sont passé le mot en fait. Pas possible. Est-ce qu'il m'a outspeed lui à l'équivalent? Non, ça va. S'il te plaît. S'il te plaît, pose tes putains de bombes. Ok. Elle a pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'HP, ça, Camille. Tant mieux pour moi. One for all, ok. Lui, faut retenir son pseudo parce que. Faut retenir son pseudo. Ça pourrait devenir un pote. Lui, on passe comme ça, non? Il y a que le Pontos. Bon, après, le problème, c'est que. Non, ça va, le Pontos, c'est pas en wheel, pixel.
En vrai, j'ai grandi, maintenant c'est safe de me mettre modo. Ah ouais? J'ai plus l'immaturité que j'ai pu avoir étant plus jeune. Je crois que la vie m'a beaucoup apporté en termes d'expérience. J'essaie d'anticiper en fait la fin de son message, parce qu'il va forcément y avoir un petit twist quelque part. Quand tu vois ce qui se passe en ce moment. T'es vraiment une sale gueule, putain. Le problème, c'est que je te connais trop bien, c'est sûr en fait, c'est sûr. Je sais que tu fais un message long au début avec rien de d'alarmant pour ne pas éveiller les soupçons. Pour après me casser la gueule quand j'ai baissé ma garde. Je le sais, je le sais. C'est la base en fait. C'est juste la base. Oh. Y a que des pontos ça me doit de partout, ça casse les couilles. Ok, alors la résine sur la savana est un peu relou. Qu'est-ce qu'on va devoir? Reset ça, essayer de tuer le Pernal le plus vite possible, ça y a pas de sustain. Qu'on arrive à silence la Nefroot, pardon. Non, mais Elder, c'est parfait. Merci pour les services. Je pense qu'on peut le passer ça. Même si y a le âme doigt, il n'y a pas vraiment de truc qui pourrait terminer la game, tu vois, qui joue derrière. C'est trop passif comme défense, je trouve. Ah, j'aurais dû faire S2, my bad. Big misplay, mais on va compenser avec un Desperstone. Non! Il n'y a vraiment pas de justice. Ok, on compense avec le truc qui derp, ça c'est big. Je vais dire ça. Ça, tac tac. Je fais zapper, faut que je passe le HOH, c'est vrai. N'oubliez pas de le faire. C'est quoi déjà? C'est robot feu, non? Skill up robot? L'offense qui dure une vie, est-ce que j'ai le temps de la faire? Évidemment que non. On va y aller comme ça, de toute façon il reste une minute. Charles sort 2, je suis terrifié. Ok, ça c'est mort. Big. Increase cool time, chiant. Est-ce que j'ai le temps de la finir? Paraît compliqué, hein. Cette saloperie de Camille, je vais avoir du mal à en venir à bout rapidement. Et il doit me rester quoi? 20 secondes, même pas? Putain, comment je peux m'en sortir ça? Ces deux-là sont morts. Allez, proc! Non! Tu crites en plus. Ah, dommage. 22 h. Bon, à 5-10 secondes. Rip. Rip, rip, rip. On a fait quoi? On a fait G3? Je pense qu'on a fait top. Ah, je sais pas si on a fait top 15 en vrai. Du coup, on a fini tout pile 14e en termes de rang. On s'est fait des petites frayeurs à la fin à louper une offense, mais c'est pas grave, ça arrive. Comme quoi, la défense Psamat-Kinky peut encore marcher un petit peu. Bon, évidemment, j'ai un Triton qui était très rapide, mais bon, il y a quand même des trucs à faire encore avec Psamat-Kinky. C'est pas un combo que j'ai beaucoup joué en def arène, donc je suis assez content que ça marche encore pour le moment. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. Pour plus de vidéos dans le genre, attends la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.